Coucou les choucrouloutes, ici Loupina pour l'épisode numéro 8 de Lulabiz Life. Alors j'ai joué un peu hors caméra comme ça, j'ai payé les factures avec le code. Je lui ai fait faire des compositions florales, vendre ses trucs de jardinage, s'occuper des abeilles, etc. etc. Donc on a un petit peu d'argent et ça c'est cool, ça fait zizir. Et on va retourner dans le jeu, comme ça vous allez voir un peu ce qui se passe. Et c'est parti! Alors, Loïs nous invite. Hé, hey, j'ai envie de sortir de chez moi. Ça te dit qu'on aille prendre un petit déjeuner au restaurant de la tour? Allez, allons-y, allons-o. Ah oui, il faut être en tenue habillée. Très bien. Salut, ça va? Et chelou d'être nu habillée quand même. C'est... Oui, pourquoi pas. Bon, alors, voyons voir ce restaurant. Il est pas mal, hein? On va demander une table. Si on peut, là. Pourquoi t'es blasée? Curieuse à propos des groupes. Ce n'est pas une réunion de groupe. Ah d'accord. Elle est triste en gros parce que ça fait longtemps qu'elle a pas fait de réunion de groupe. Où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Vas-y, donne-moi une table. Où est-ce que je vais? Ah bah du coup, elle s'est changée. Ok, j'ai pas compris. Bon alors. Ma petite Louise, comment tu vas toi? Ça va bien ta vie, tout ça? Il y a encore Katia, mais c'est pas possible, hein. Bon, je vais pas y faire attention. Là, c'est qui? Carole Bidulette? Vincent Bidulette? Lui, je connais pas. Carole, je l'avais vu faire une blague de type toc-toc-qui, là. J'ai pas envie de la pécho ou quoi, parce qu'elle est mariée. Donc, voilà. Et de toute façon, j'ai pas encore eu vos réponses concernant qui je dois pécho après Iléas. Donc, on va faire une présentation chaleureuse à ces deux-là. Mais, oui, je sais qu'on est au resto avec Loïs. Mais j'ai vraiment envie que ma Sims discute un peu avec tout le monde. Ça, c'est qui? Frédéric Blanc, je crois pas que ce soit vous. Ah, Lee Blanc, c'est la fille de ces deux-là ou la sœur, je sais plus. Donc, on dit bonjour à tout ce beau monde. Après, on commandera. Commandez pour la table. Et du coup, tu rigoles à ma blague ou pas? Ah, bah bravo! C'est dégueulasse! Dégueulasse! La petite là, elle est chou. Et Nora. Alors, Lulabi a appris que Carole avait comme trait de caractère adore la nature active bienveillante. Très bien, c'est cool. Oula! Ah d'accord! C'est triste! Le restaurant de la tour. Donc je crois que c'est Lama qui l'a fait. Est-ce que tu pourras jouer avec ton resto pour mettre un menu et tout le bazar et me le renvoyer après? Parce que... On va au resto? Ouais, on mange quoi? Bah de l'eau. Au moins, enfin, régime, mais bon. Ah bah non, laisse tomber, on abandonne la table, hein. Attendez, on va mettre Loïs dans le groupe. Ce qu'on va faire, c'est que... On va changer de resto. Je suis désolée, il est beau en plus ton restaurant, mais il n'y a pas de menu, alors... Comment on fait? Du coup, on a été au restaurant, je sais plus son nom, fait par je sais plus qui. Voilà, je suis très utile dans la life. C'est super beau cet endroit, putain. C'est magnifique. Waouh! Demandez une table. Allez, c'est parti. Ah, mais on passe par la cuisine. What the fuck? C'est chelou comme entrée quand même. Ah, c'est parce qu'on s'est gouré d'entrée. Très bien. Katia nous suit, évidemment. Katia, tu veux manger avec nous? Alors, donne-nous une table, s'il te plaît. Bah, si toi, Lulabi. Ah, il y a un menu. Enfin, en tout cas, il y a des boissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Grappo Blanco. Écoutez, on va se prendre ça pour les deux. Sambioca de poulet pour Lulabi et Loïs, tu vas prendre des gnocchis à la courge, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas mal. De toute façon, on a de l'argent et après, on se prendra peut-être un petit dessert. Bah, en soi, c'est pas le chef là qui fait chier, c'est elle. Chantal! Tu peux bouger ou pas? J'hallucine. Ah, ok, d'accord. On a commandé, c'est juste qu'elle a mis 30 ans à arriver. Ok. Oui. Bon, sinon, toi, ça va? Parce qu'avec toutes ces conneries là, on n'a pas du tout parlé. Et du coup, est-ce qu'elle est célibataire? Il me semble qu'elle est mariée. Mais on va lui demander quand même au cas où. Je veux pas la draguer ni rien, c'est juste à titre informatif, donc calmez-vous le cul. On va essayer d'en faire une pote quand même, hein. Elle nous a appelé à 9h pour aller prendre le petit-déj. Il est 16h30. Ah,
elle est célibataire! Ah! Ben ça change tout alors! La grosse chaudasse. Bon bah elle est sur la liste des gens à pécho, hein. Enfin qu'on peut pécho en tout cas. J'espère au moins que c'est bon, mais vu la vitesse du truc, on prendra pas de dessert, hein. On pourrait aller sur la balançoire parce que j'y suis encore jamais allée. Est-ce que vous pouvez manger? One eternity later. Hallucinant. Bon allez, dépêche-toi de manger. Bon au moins on est potes avec Loïs, hein, mais bon. Demander de pousser, à se faire pousser bah, par Loïs. Allez, vas-y, pousse-moi. J'ai jamais vu l'animation. Elles vont se péter la gueule. Wouh! On peut la pousser? Bah de pousser Loïs. Vas-y, on va te pousser. Les deux gamines qui s'amusent. Allez, vas-y. Ouh. Ouais, bon, c'est une balançoire, quoi. Mais c'est cool qu'il l'ait rajouté, mine de rien. Bon, bah on va rentrer. Je sais pas trop si on peut payer ou pas, parce que... Ils ont pas l'air de vouloir qu'on paye. Donc, bah, on va se casser. Je sais pas, je comprends rien, en fait. Elle a abandonné la table, voilà, c'est bon. On peut payer maintenant? Ah bah non. On va rentrer, alors! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a passé une bonne journée avec Loïs, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu à payer, j'ai pas compris. Me revoilà. J'ai profité de la pause pour un petit peu relooker la maison. Avec les sous qu'on avait. Donc du coup, voilà la salle de bain et les chiottes, c'est passionnant. L'entrée, j'ai mis un parquet un tout petit peu plus beau. J'ai changé les lampes aussi. Ici, j'ai rajouté un tapis et une commode. Et ben voilà, j'ai changé de PC aussi. J'ai changé juste la couleur du canapé pour dire genre qu'elle a changé de housse ou une connerie comme ça. Et j'ai mis une gazinière et un frigo nul, mais un petit peu moins que ce qu'on avait quand même. Et puis j'ai changé aussi la cuisine normale, le sol et les murs, comme partout. C'est encore moche, mais un peu moins. Faut qu'elle commence à aimer être chez elle quand même, la petite. On va aller un petit peu sur le réseau social, parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas été. Et après, j'irai m'occuper des abeilles et... Ah oui, je voulais vous dire aussi un truc. Quand elle aura 5 en jardinage, j'enlèverai tout ce gros bordel. Toutes les mauvaises herbes et toutes les fleurs, le machin. Pas les arbres. Pas les arbres, ça j'enlèverai quand j'aurai 8 en jardinage, les arbres morts là. Et je pourrais en mettre d'autres à la limite. Mais je pourrais enlever toutes les merdes de hautes herbes et compagnie. Et ça, c'est toujours pas sec. Ça fait au moins 5 épisodes que c'est là. C'est trop drôle. Bon, elle a combien du coup? 595. Ok, on va lui demander des astuces en jardinage. Et on va déjà tout vendre et puis bah, s'en occuper peut-être. On en est où d'ailleurs du jardinage? Bah, voilà, suffisait de demander. Du coup, je ferai tout ça hors caméra. Je peux vous dire que ça va nous rapporter un max de blé, tout ça, là. Et je pourrais aussi changer un petit peu le sol. Enfin, j'essayerai de commencer à faire des parterres de fleurs un peu plus jolies que cette merde. Et voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous plaira, ce que j'aurai fait. Même si ça donne du caractère à la maison, hein, je suis d'accord, mais bon. La toiture, je la changerai quand j'aurai 5000 dessous. Parce qu'en fait, je me suis dit dans ma tête, je vais la mettre verte pour dire que, vous savez, il y a de la mousse dessus sur les tuiles et que du coup, elle est plus très fraîche. Pareil ici, j'ai essayé de mettre un truc un peu rouillé, etc. Donc, je changerai tout ça. Là, les herbes, elles sont mortes. J'essayerai d'en mettre des peut-être plus vertes, plus jolies, plus organisées, un peu comme là, mais en mieux, quoi. Etc, 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 vous avez compris. On va aller discuter du lien, discuter avec les abeilles, à appliquer un traitement. Elles sont super pas contentes. Donc l'épouvantail s'est levé, elles vont nous piquer. Non, ça va. Ah bah si. Ah, ça va mieux, c'était à cause des mites. On va récupérer les seins. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai les seins, je lui demande de nous apporter un cadeau. Et l'autre jour, elle m'a apporté un truc à 150 machin et après à 200 quelque chose. Elles vont revenir avec un cadeau, vous allez voir. Voilà, c'est trop mignon. Ah, alors.
Amazonite 85. C'est parfait. Voilà, ça nous fait un peu d'argent, on va pas cracher dessus. Vous savez quoi, comme il fait beau, on va aller faire du patinage. Nous voilà du coup au truc de patin. Alors, le souci, c'est qu'il fait jour et Sam est une vampire. Donc je pense, je l'ai pas invitée parce que j'ai pas du tout envie qu'elle crame. Et j'espère qu'elle ne va pas venir. Alors, voyons voir ce que ça donne là-dedans. Attendez, je vais rajouter du coup une activité, c'est faire du patin. Bonjour, je suis posée dans la piscine. Invité à patiner, tout ce petit monde. Ah bah Sam est venu du coup. J'ai vraiment très très peur qu'elle crame. Bon alors, c'est parti pour le bordel. C'est quand même triste qu'il puisse pas faire du patin en... Oh, comment elle s'est ramassée là, Jessica? Oh putain! C'est quand même dommage qu'ils puissent pas patiner en dehors de la piste. Genre, vous savez, au lieu de faire du footing, ce serait aller faire du patin. Ce serait vraiment bien. Après, peut-être qu'on peut quand la compétence est plus élevée, je sais pas. Ce serait cool parce que juste là sur la piste, bah, ils tournent quoi. C'est pas très intéressant. Je sais pas si on prend un emploi. Dites-moi dans le sondage qui sera là-haut si on prend un emploi ou pas. Et si vous voulez un emploi, précisez. Ah, bah elle est là avec son parapluie. Ah oui, ils avaient dit ça, c'est trop cool. Ah, du coup, je suis trop contente, on peut la voir malgré le soleil. Elle prend un parapluie et elle est protégée. Ah, ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Ah, bah il y a Stella là. Il y a une ruche ici, très bien, des toilettes. C'est Lorenzo? Bah oui, comme d'habitude, pourquoi je demande? Oh, il y a du monde qui arrive là, c'est qui tout ce beau monde? Alors, Sarah Hambourg, Stéphane du jardin. Oh, c'est quoi le saut là? Faire une bataille de bombes à eau. Oh, mais grave! Du coup, elle a combien en patin? Un, je suppose? Il n'y a même pas. D'accord. C'est quoi? C'est de la fitness que ça monte? Alors, la bataille de bombes à eau? Allez-y, qu'on rigole! Elle crame pas? Elle est peut-être résistante au soleil et ce serait tant mieux. Elle a pas l'air de cramer, c'est déjà ça. Allez, cramer! Enfin, cramer, c'est pas ça que je voulais dire. Allez! Il se passe rien? Pourquoi tu chantes? Qui chante? C'est Jessica qui chante? Et pourquoi tu chantes? Oh, je comprends rien à ce qui se passe, hein. Et c'est quoi là-bas, réunion tupperware? Ok, j'ai pas compris. Ilias, il est passé où? C'est cassé? Comme un malpropre? Bah il est où? Ah bah il s'est cassé, ouais d'accord. Bon bah arrêtez hein, parce que visiblement... je suis déçue. Je pensais qu'ils allaient se courser et tout, un peu comme les gosses dans je sais plus quel add-on de je sais plus quel jeu. Ouais. Bah c'était pas ouf. Et Ilias, il vient ou pas? Il fait déjà autre chose. D'accord, super. Là y'a qui? Allison! Oh my god. Oh putain, il y a Kevin. Attends, faut qu'on salue Kevin. Salut à tous, c'est Kevin. Allison, elle est partie? Mais non, Allison, reviens! Bon bah, on va rentrer chez nous, hein, parce que là, c'est la réunion catastrophique. Et du coup, ça monte quoi, la fitness? C'est nul à chier si ça monte la fitness. Excusez-moi, hein, mais je suis déçue, là. Vous auriez pu mettre une compétence patin quand... Ouais, c'est ça. Ça monte le fitness. Nul. Zéro. Alors, définir la musique. Ah, on peut mettre de la musique, c'est cool. Elle patine comme une merde. Bon, dès qu'on a notre point, on va rentrer. Mais je suis quand même vachement déçue que ça soit... la compétence fitness, quoi. Bref, on va mettre fin à la réunion de groupe. Je vais aller pisser. Au moins, il y a des toilettes. Donc ça, c'est cool. Merci d'avoir fait des toilettes. Je sais plus du tout qui a fait ce terrain. Je crois que c'est Sims 4 Constructor, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, merci. C'est très mignon. Et c'est cool. Est-ce qu'on peut, genre, demander à pousser Talia? Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Tu nous parlais? Oh, c'est trop mignon, elles ont fait une photo ensemble. Talia est partie. Mais arrêtez de me snommer. Ouh, vas-y, raconte-lui une blague salace. Ouh, lol. Complimenter la tenue. Bon bah, vous y allez ou vous touchez? Qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends rien ce qui se passe. Ça l'a rendue enjôleuse. Cochonne. Blague
Ça va, Jessica, t'as pas l'impression de tenir la chandelle, là? On va lui parler, elle aussi, la pauvre. Conversation profonde. Du coup, c'est quoi, elle? Jeune adulte, machin, ami, et toi, ami. Ok. Bon, on va rentrer. S'il se fait tard, elle a faim, et puis je pense que l'épisode a duré assez longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, la caméra bug, parce que ça charge. Je vous envoie plein de cœurs et de paillettes, et salut! Battle, symphony, please just don't give up.